Ça se passe très bien. Ce que je vois dans les salles, c'est que les personnes sont contentes de se retrouver après 2 ans de confinement et de pandémie. Et on était déjà dans des sujets très précis qui touchent plusieurs personnes de nos communautés. Et je vois déjà l'importance de se regrouper ici pour voir la façon que les enjeux se vivent dans différentes régions du pays. Mon nom est Alexandre Dumont-Blais, je suis directeur général à l'organisme Réseau, pronom il, lui, et je m'identifie comme homme gay. Je vais participer à la table ronde sur la variole simienne et je suis très content de le faire parce qu'au Québec, à Montréal, depuis fin mai, ça a été un enjeu très important. Il y a des centaines de personnes qui ont contracté la variole et Réseau, avec le personnel, on a travaillé beaucoup à la sensibilisation, mais aussi à la communication sur la vaccination. Donc, je vais parler des stratégies qu'on a utilisées, de l'importance de la mobilisation communautaire qui s'est faite à Montréal et dans les environs et surtout du lien direct avec les instances de santé publique qui nous ont permis ensemble d'avancer rapidement dans ce dossier. Et on a tiré beaucoup de leçons qu'avec des partenariats comme ça, ça fonctionne très bien.